Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question d'Adrien, à nouveau. Donc, Adrien qui a la chaîne YouTube Food Shaking, qui me demande pourquoi le leurre d'hameur en tranche est plus cher que le leurre d'hameur en bloc. Eh bien, c'est parce que le coût du tranchage est important dans le coût de tension du produit, de par deux façons, puisque de toute façon, il faut déjà au départ découper le produit, donc il y a du coût machine ou du coût de main-d'œuvre, hein, même si ce n'est pas découpé à la main, il y a de la main-d'œuvre associée au coût machine. Donc l'utilisation des machines amène un coût important. Et puis lorsque l'on découpe le fromage, il y a aussi beaucoup plus de pertes que quand on est sur un bloc et qu'on va faire des grosses tranches. Donc il faut faire des petites tranches fines, il y a beaucoup plus de pertes. Donc tout ça, ça fait que globalement, bah, le produit est nettement plus cher en tranche qu'en bloc, avec un coût d'emballage qui est identique pour la même. Le même volume de produits, mais par contre des portions qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que les tranches prennent plus de place que les blocs à poids équivalent. Donc forcément, au final, le produit revient beaucoup plus cher. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les produits laitiers, sur les fromages, sur la poudre de lait, la crème, le beurre et les glaces, eh bien ça se passe à l'école de Surgères, l'ENILIA. Vous retrouvez les informations sur le site enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.